Bonjour tout le monde, cette fois-ci nous allons jouer une partie de Steam Watchers, une vraie partie, pas scriptée, on joue naturellement, on va tous jouer pour la gagne, et je suis entouré de trois invités très particuliers. Je commence par Marc. Bonjour Marc, qui est mon beau-frère, mais pas que. Donc Marc notamment a relu les règles de ce jeu sur la version finale. Effectivement. Et c'est un gros joueur et il fait plein de choses, il a un gros groupe de joueurs. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Nous avons aussi Louis-Marie et Séverine. Bonjour. Donc qui sont depuis pas mal de temps stagiaires chez nous. On a embauché même depuis. Et même plus que ça. Et qui ont travaillé longuement sur Steam Watchers lors du développement. Vous étiez avec JB et vous avez enchaîné les parties, je crois. Pendant plusieurs mois. Et donc, voilà, ce sont des gens qui connaissent le jeu et le but, c'est vraiment de vous montrer une partie de référence où vous pouvez voir comment ça se joue. Si vous avez des doutes, on espère que c'est clair, mais si vous avez des doutes, ben, ce sera une référence. Et on fait tout depuis le début. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Impeccable. Ouais. Bon, alors on va déterminer déjà qui est le premier joueur. Et pour ça, nous avons un dé. Un dé 4. Nous avons un dé 4. Donc, il y a 1, 2, 3. Et puis, il y a un petit lisse qui sera le 4. On va dire que... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous êtes prêts? Alors, qui va le lancer? Allez, Séverine, c'est toi qui lance le dé. Ouais. Allez. 3. Ce sera donc toi, Louis-Marie, le premier joueur, mais... Avant de commencer la partie, il faut d'abord définir quel scénario nous allons jouer. Nous allons faire un scénario un petit peu rentre-dedans. Offensif. Offensif. On va jouer un scénario en trois tours qui s'appelle Les Feux du Vieux Monde. Alors, quand on lit le scénario, d'ailleurs je vais aussi lire le petit background de ce scénario, parce qu'il y a quand même du background. Mais voyons, la mise en place, il paraît qu'il y a trois colonnes initiales. Il y a aussi une règle spéciale. D'abord, on déploiera deux soldats de base supplémentaires dans ce scénario. Une fois qu'on se sera déployé, on pourra mettre deux soldats supplémentaires. Une fois le déploiement terminé, donc une fois le déploiement de tout le monde ou une fois chacun. Une fois le déploiement terminé, voilà, exactement. Et il y a une règle spéciale. Dans ce scénario, lorsqu'on remporte un combat, on choisit une figurine parmi les pertes adverses et on la place sur son plateau de jeu. Et en fin de partie, chaque paire de figurines, pas forcément les deux mêmes figurines, mais chaque paire de figurines permettra d'augmenter de 1 son niveau de géo, qui est évidemment une condition de victoire. La condition de victoire. Voilà. Alors, je vais lire quand même le petit background, parce que ces scénarios dans Steam Watchers, ils peuvent se jouer à la suite pour faire une sorte de campagne. Ils racontent un petit peu quelque chose dans le monde. Comme vous le savez, Steam Watchers, c'est un jeu avec un fort univers. Et donc, tu es le premier joueur, donc c'est à toi que ça s'adresse. Donc, pour le conclave, chaque fois qu'on dit « vous », c'est à toi que ça s'adresse, puisque tu vas être le premier dans le conclave. Donc, un groupe de caréneurs manifeste au conclave un signe de sa bonne volonté. Mais tu te méfies. « Nous avons trouvé ces engins dans une ruine du vieux monde », explique l'émissaire caréneur en fixant ses différents interlocuteurs de son regard borgne. « Nous n'allions pas garder cette avancée technologique pour nous ». Il procède à une démonstration en jetant son fusil, sangle comprise, dans les mâchoires d'une sorte de broyeuse reliée à l'appareil. Quelques minutes de grincement et de sifflement plus tard, le borgne exhibe le résultat, une manchette articulée, bardée de métal. Chaque imprimante fournaise a 200 objets en mémoire. Nous sommes sûrs que ce que les clans sauront en faire bon usage. Si les clans avaient la moindre ressource à gaspiller, ils l'investiraient dans la guerre qui fait rage depuis le schisme. Donc ça va être un scénario où on va tous essayer de se battre pour récupérer un certain nombre de choses. On est prêt? Eh bien, la mise en place dit qu'il y a trois colonnes initiales, donc on va dévoiler ces colonnes. Mélanger le paquet, puis en tirer trois. Alors... On va commencer par une colonne de 2 étages en Slunsk qui est ici. Une deuxième qui sera pas jouée, ça c'est un déploiement. Alors oui, je précise, si nous piochons une carte de colonne qui comporte une zone de déploiement d'un joueur, on la passe. On la passe. Ça fait partie des règles. Celle-là aussi du coup, parce qu'elle appartient à un autre déploiement.
Ensuite, on aura deux colonnes en Gagosia. C'est ici. C'est la montagne là. Alors, celle-là, elle va ici. Ouais, du coup. Et on aura une dernière de trois en Commonwealth, ici. Voilà. Et les autres cartes sont remélangées. Ils sont remélangées dans la pile, exactement. Donc c'est assez éparpillé, il y en a un peu plus à l'est, hein, quand même. Un peu plus à l'est. Donc, à présent, le premier joueur va pouvoir choisir son clan. Donc et son titre, et sa réservation. Et sa réservation de titre, donc. Moi, je vais jouer le conglomérat du Rhône. Ah. Je pense qu'il y a le plus rigolo, tiens. Et c'est donc à Séverine, qui est donc à sa gauche, de choisir. La bonne boîte. Et réserver le rôle d'Arcante. Ah, il sera Arcante. Je vais jouer le Rheinstein. Le Rheinstein. C'est bourrin. D'accord, donc là, ce sont les gars du Nord. Eh bien moi, je vais jouer... Oh, quelle surprise! Je vais jouer les Catapats. Changer. Et toi, Marc? Alors, c'est en trois tours. J'ai réservé les gars. Rheinstein, c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est assez agressif. Pour moi, les Catapats, c'est parce que c'est une histoire spéciale avec eux. Le plan du cœur. Ouais, je vais prendre la flotte libre. Ils sont là-dessous, il me semble. Ouais, la flotte libre. Ils sont là-dessous. Ça ne m'étonne pas. Donc, Louis-Marie a réservé. Non, d'abord, oui, Louis-Marie a réservé le rôle d'Arconte. Séverine a réservé le rôle du légat. Il faut que tu réserves ton rôle. C'est à moi de réserver. Et ensuite, Marc. Je vais choisir le rôle de guetteur 1. Il est ouf, il est là. Je vais prendre. Je vais prendre le guetteur 2. Enfin, 4. Guetteur 4. Alors là, on répartit tous. En déploiement, on a deux soldats supplémentaires. Ouais. Donc c'est moi qui commence... C'est toi qui commence, toi, à te déployer. Le déploiement. Donc du coup, j'ai choisi mon dernier clan, je me déploie en premier, je vais prendre... Je vais me déployer ici, là, tiens, allez, pour changer. Quel déploiement prends-tu? Le 5. Le 5, tu es donc où? Rhineland. Ici. Hollander et Friesland, tu seras dans le nord. Ok. Donc là, moi je vais voir qu'il est là, donc tu dois te déployer avant que... Alors, mon contrat permanent, puisque c'est mon... C'est ton clan. Ma capacité de clan, on va mettre ça... Ouais, la mer du Nord, hop. Ça veut dire qu'il contrôle... Hop. La mer du Nord, la Nord, c'est... Pour toujours. Tac. Le Havre est ici. Je répartirai un petit peu plus après, peut-être. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il te reste une ferme à poser. Ouais. Allez. Toc. C'est bon pour moi. C'est bon pour toi. À toi, Léo, de te déployer. C'est à moi de me déployer. Je vais prendre le déploiement 4. Donc je suis à... Scan, Lucina, Morava, Lusica... T'as les 3 points pour te repérer de toute façon. Et Scan, oui c'est vrai. Voilà. Je te donne ça, et maintenant je vais mettre tous mes... Léo, je me permets de te faire remarquer, mais tu peux avoir ton marqueur d'incubation que tu peux placer. Ouais, je le place à 0. Je vais prendre le déploiement 2, donc à Katabatia. Ah. Oh, risqué ça comme... Tu vas avoir de la place. Ah ouais, franchement, je peux... Non, ça va, j'ai les extrémités, c'est pas mon milieu. Non, mais c'est un déploiement osé, hein. Mais si ça paye. si ça paye. Comment dire, c'est osé, c'est j'aime bien. Si ça paye, ça peut payer, hein. Bien sûr. Ça bien tout, sûr. Ça peut payer. En fait, dans le jeu, souvent, les gens préfèrent éviter de se retrouver trop au milieu entre tout le monde parce qu'évidemment, ils sont plus attaqués que les autres. D'être la cible. Mais bien être dans un coin tranquille. Mais ouais, c'est trompeur avec cette histoire de mer de glace où tu peux vraiment te déplacer assez facilement d'un bout à l'autre de la carte. Tu peux parler, t'as la flotte libre. tu peux le dire, tu joues flotte libre. Voilà. Tu cours vite sur la mer. Donc,
je vois que des étrangers occupent nos terres natales, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est bien ça, ça va. Ça ne fera que créer des tensions. Ça va vous occuper. Ouais, pour l'instant, nous, on fera d'autres vies, on ira être des petits fermiers de vapeur dans des coins. Tranquille, quoi. On peut jouer l'amitié des gens. Allez. C'est bon ? On va comme ça. Ah, j'ai oublié de mettre mes... T'as deux fermes, oui, bah tiens. Fermes, oui, bah moi, je pourrais faire du rollback aussi, alors. Je suis désolé, j'ai pas vu. Non, on l'a tous pas vu. T'as pas mis ta tourelle... Ah si, tu t'es mis... Pardon, j'ai rien. Si, c'est la mise en Dalmatie. Je fais attention aux catavates. Ils peuvent aller n'importe où. Oui, je sais. J'ai mis une tourelle sur ma zone de montagne. Ah, ça apprend des leçons. C'est cool. Ça apprend des parties précédentes. Bon, où est-ce que je vais jouer? Moi, je vais jouer le déploiement 3, aussi appelé l'Est, le Grand Est. Déploiement Hippiri. Le déploiement de l'âche. Non, déploiement, j'aime bien les montagnes, tu vois. Globalement, je suis dans l'Est, tout va bien. On se porte bien là-bas. Ouais, mais l'Ouest est délaissé pour une fois. Mmh. Pas de colonne. Ça peut changer avec les cartes. Ça pas de colonne dans l'Est. Qu'est-ce que c'est comme ça, c'est en déjà. Voilà. Non, pardon, il me reste ma colonne. Excusez-moi. Colonne que je viens de passer ici. Voilà, voilà. Le déploiement est terminé ? Le déploiement est terminé. Alors on peut, le scénario, la règle de scénario qui nous dit qu'on peut bouger deux unités, c'est ça ? Deux unités sur une zone adjacente. Non contrôlée. Non contrôlée. Et dans l'ordre de la piste des réservations. Donc nous avons déployé deux soldats supplémentaires, et maintenant que c'est terminé, nous avons le droit de déplacer jusqu'à deux de nos unités sur une ou deux zones. Donc on peut les mettre toutes les deux dans une même zone, ou deux dans une zone séparée. Et donc on va commencer par moi. Oui. Oui. Je vais en mettre deux. Oh. Ben... Tiens donc. Attends, à tout hasard. C'est deux unités de base, forcément. Non, c'est deux unités. Non, deux unités. Ah, on peut déjà. Je peux bouger la moto, déjà. Là. Tout peut changer très vite dans ce jeu. Voilà. À toi, c'est vrai. Moi, je vais venir mettre lui ici. Et là, pareil, ouais. Bon, ok. Non, lui, il va rester là. Et le deuxième, il va. Bon, je vais faire ça. Voilà. Ok. Cette fois, c'est bon. Eh bien, on va passer à la première phase, qui est donc le conclave. Et donc, on va juste distribuer les algofios. Ah oui, les algofios, c'est vrai. Alors, phase du conclave, ben c'est parti. Phase du conclave, donc je vais passer de la piste de réservation à la piste des titres. Et donc, je vais avoir trois cartes de vapeur. Faut pas que je regarde. Ah non. Ah bah non. Vous avez tout remélangé ? Oui. D'accord. J'ai remélangé après avoir remis les... D'ailleurs, on monte le... marqueur. Et on avance, on a oublié, excusez-nous. Ah oui, le marqueur. Oui, j'aurais dû faire ça avant toute autre chose. Eh bien, ce sera Pustinia. C'est bizarre, hein, j'ai quand même beaucoup de chance. Hein. Il y a une colonne de vapeur qui apparaît juste à côté de là où je crois. Elle aurait pu apparaître sous tes pieds. Ouais. En plus, une colonne de 3. On va oublier qu'on n'est pas loin. C'est... Bien sûr. Mais moi, la guerre est vite arrivée, hein, putain. Ensuite... Non. Le Léga. C'est moi. Justinia, c'est pas si loin de chez moi non plus, hein. Et ben le Léga sera ici. Ah, elle a accès à la petite mer intérieure, là. Craté. Et ça, c'est une déclaration de guerre, ça. Ouais. C'est pas très bonne ambiance, ouais. Je mets un moyen de pression. D'accord. Oui. Pour commencer. Mais c'est bien, hein, allez-y. Ah, moi, je vais jouer par contre. Oh, il y a des choses rigolotes, quand même. Et on va jouer le partage d'Algofiol. Qui vous fait tous gagner un algofuel de contrebande et moi me fait gagner deux algofuels sains. On est donc dans la zone de surplus. Moi, hop.
Et là, ça top en voyage. Tu es guetteur 2. Enfin, guetteur 4 plutôt. Si ça apparaît en Wallonie, je quitte la table. Non, ce sera en Girondie, 2 étages. La phase du conclave est terminée. On va pouvoir passer à la planification des ordres. Nous avons terminé la planification des ordres, c'est donc l'activation des ordres, on va tous tout révéler en même temps. La révélation d'abord. La révélation, oui. Et ensuite les activations. Et ensuite les activations, dans l'ordre du conclave. Hop, 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 hop. Voilà, tout est révélé. Bien, et bien c'est donc à moi de commencer. Je vais jouer ici, donc en Morava. Donc c'est un jeton de défense et je vais faire recrutement, ça s'appelle une mobilisation. Je vais faire une mobilisation, donc je prends un jeton spécial que je mets ici, qui ne coûte donc rien pour l'instant, et je vais pouvoir mobiliser soit deux soldats de base, soit un soldat d'élite. Je vais prendre deux soldats de base. Ouais, je vais en mettre. Tu veux pas faire ça quand même. Et un ici. Pas de débarquer avec 5 pélos là, dans une barrage. Tu peux déployer dans des zones adjacentes. Oui. Oui. Soit dans ta zone, soit dans une zone adjacente. Que tu n'as donc pas fait délibérément. Si, je l'ai fait. Bah non, t'as déployé dans des zones que tu contrôles. Ah oui, la zone adjacente, mais que tu contrôles. Ah oui, que je contrôle. Oui. Mmh. Oui, je peux pas apparaître de nulle part de celle-là. Mmh. C'est vrai. C'est bien moi. Ici, je vais jouer un déploiement d'un soldat d'élite que je vais mettre juste ici. C'est rigolo, hein. Voilà. À toi. Pour l'instant, c'est un round d'observation. Et bien, je vais le faire apparaître ici. Je fais ce jeton-là et jouer une mobilisation, mais d'une unité d'élite, pour faire apparaître un canon. Un perce-ciel, je crois que ça s'appelle, hein, c'est canon. Ça. Ouais, un perce-ciel, canon. Qui donc peut soutenir jusqu'à deux zones. Exactement. Ok, c'est donc à toi, Marc. À moi, je vais jouer une action de défense simple. Je vais juste faire une tourelle. Une tourelle, parfait. Bon, c'est à moi à nouveau. Je vais jouer ici une autre action de défense. Je vais faire une nouvelle mobilisation. Donc cette fois-ci, elle va me coûter un algo fuel que je paye. Et je vais recruter une unité d'élite que je vais mettre ici. Je vais jouer un jeton de défense pour faire un contrat des carénaires. Donc il me coûte un algo fuel. Et comme j'ai deux havres en ma possession, je vais pouvoir poser deux contrats. Sur deux mers différentes. Sur deux mers différentes. Ou sur la même mer. Pour la bloquer. Vraiment le contrôle des mers là. Maintenant m'embêter. Je vais en poser un ici. Surprise. Je sais que si je mets un deuxième, tu ne pourras plus avancer. Mais je suis. Si, il peut. Il a son jeton de. Ah, si tu peux. De complice. Ouais. Je vais le mettre jusque là. Oh là là, on peut aller de là jusque là-bas. À ton tour. Je vais jouer ce jeton de défense. Et construire. C'est pas ici que je pose. Et construire une tourelle. En tout le monde joue ses jetons de défense, personne ne les joue ses jetons de défense. Ça va venir, t'inquiète pas. C'est bizarre. Patience. On s'observe tous. Là, moi je l'ai dit, je plaide pour l'amitié entre les peuples. Hein. Alors. C'est pas le propos, je sais. Je vais faire une action spéciale de mobilisation. Oh, c'est étrange. À toi, donc. C'est donc à moi. Et là, je suis bien contraint de jouer une action de mouvement. Va chercher ta colonne. Ouais, j'aurais peut-être dû me déplacer sur un de plus pour avoir une action de plus et pouvoir encore patienter et éviter la contre-attaque. Je vais jouer un mouvement
Je vais faire une action de marche forcée. Donc, c'est là. C'est là, ouais. Je prends encore un algofuel et je vais faire 1, 2, je vais venir ici. C'est donc à Cérine. Moi, mes marches forcées, je peux sauter par-dessus des zones occupées par des ennemis, si je voulais. Et évidemment, les plaines, enfin les montagnes, je peux faire aussi des marches forcées dans les montagnes. Ça, c'est la capacité de clan. Je range ton défense. Je vais faire un grand toast. Donc, la capacité du joueur Einstein à prendre, à déployer 4 soldats de base, mais comme j'en ai que 2 dans ma réserve, je n'en déploierai que 2. Ah, bon. C'était où Le jeton défense était là. D'accord. Donc j'en déploie 1 sur la zone où le jeton défense était et 1 sur la zone adjacente. Ça fait 5 unités. C'est à toi, Louis-Marie. Ouais, je vais jouer cela. Je vais me déplacer ici en laissant derrière moi une balise. Une balise de mon clan. Moi, je vais faire un déplacement simple. Je vais me déplacer là en laissant une balise. Ah ouais, mais j'ai pas pensé à son déplacement. Elle va venir me la péter. Pourrait. C'est pas bon ça. Prendre de la mer. Du coup. Ah, attends, pardon. Je remets celui-là et je vais jouer celui-là d'abord. Hop. Et je vais les amener ici. Oula. Ah, ici, là, par là, là. Hop, hop, pouf. Non, mais c'est vrai qu'il y a un tout. Ça passe des deux côtés. Côté Libertalia, ouais. Oh là là, c'est le débarquement d'Italie là. Hein. Ça prend l'Italie, ouais, très vite. À toi. Donc c'est à moi. Ah, je vais donc être obligé de jouer mon dernier. Dernier jeton. Mon dernier jeton. Donc c'est forcément le déplacement ici, et un déplacement normal, puisque j'ai déjà fait mes trois actions spéciales. Je vais en faire aller un ici. Je peux pas aller sur une autre zone. J'ai pas de zone en me déplaçant. Pour multiplier les actions. Pour multiplier les actions. Donc, ça sera encore limité au prochain tour. Mais voilà. Voilà. J'ai terminé. Pas sérieux. Oui, non, mais je regarde. Toi, tu me déplaces là. Je vais utiliser celui-là. Je vais laisser une balise. Je vais prendre On va prendre le giron. Comme tes motos sont parties, j'en profite. On peut revenir. Je sais. Mais pour ce tour-là. Pas ce tour-ci. Non. Ouais, c'est dingue de voir que tu pars de là et t'arrives jusqu'à l'autre bout, mais oui, c'est vrai que tu contrôles les mers, là. Et avec ce déplacement, hop, je vais venir mettre deux gars là et un gars là. Oh, quoi que, en gala. Pour l'instant, c'est très sage, hein. Il n'y a pas beaucoup de combats, hein. Les gens, c'est pas trop. Hein. Je vais faire une action spéciale de contrat avec les carénaires. Ah. Où est-ce qu'ils vont aller, les deux? Donc, je peux en mettre 3. 3 havres, je crois. Je contrôle 3 havres. Ouais, tu contrôles 3 havres, 1, 2, 3. Wow. Ah, ça va venir chez moi, ça. Bah, ça peut venir un peu partout. Ça, tu peux même bloquer des mers comme ça, non? Que t'as deux gars. Je pourrais, ouais. Il pourrait faire blocus. Ouais. Ah, tu as barré la Mare Nostrum. Ah bah. Que toi qui peux y aller. Non, pardon. Hop. Très bien. Ouais, c'est à nouveau à moi, donc je vais passer. Et je vais donc pouvoir réserver mon prochain rôle. Autre que le Gator 1. Autre que Gator 1. Et je vais prendre le rôle de Perconte. Surprise. La surprise générale. Fast, un déplacement. Toi, Louis, t'as fini? Après ça, je passe, ouais. Non, il y avait des possibilités, je sais. Il y avait des bonnes blagues à faire, là. Après, le but du jeu, c'est plus mettre de la pression psychologique en permanence. Mais c'est là qu'on s'amuse. T'es en train de déshabiller ta colonne de vapeur? Ouais, mais c'est sur une montagne seule. Et j'ai le soutien partout. Puisque là. Il reste 2 tours après. Oui, je sais. Mmh. 2 tours, c'est très long.
C'est terminé pour le Rhein. Alors tu passes. Non, maintenant c'est lui qui va passer. Ouais. Moi je vais bien prendre le primus. Et donc c'est à moi, il me reste une action de déplacement. Non. Alors donc ça va être ça. Bah non, je vais passer. Et je vais prendre le rôle de guetteur 1. Là, je me suis pas trompé. Non, c'est bon, c'est le guetteur. Et moi, bah, je vais reprendre le légat, donc ça sera guetteur 4. Parfait, donc maintenant on va faire la baisse d'activité. Alors est-ce qu'il y a des colonnes sans personne? Je ne crois pas. Non. Tout a été donc, pris. Dans l'ordre, on va commencer par toi, Marc. De nouveau, ouais. Retirer alors, tu prends 1 et 2. 1 et 2. 2 d'incubation. D'incubation. Oh, ça va. Oui. Ça va. Ensuite, c'est à moi. Fait un peu chaud. Pour l'instant, tout va bien. Personne ne tousse. 1 ici. 2. Et 3. Donc tu vas prendre 3. Une petite quarantaine. Je vais me prendre une petite quarantaine quand même. Déjà. 3, ouais. Bon, je vais la mettre ici. Tout le monde a fait la piste d'incubation. Ah, ensuite, 3. Voilà. Séverine. À moi. Moi, je prends 1 ici. Et 2. Et 2. Donc, tu fais avancer ton marqueur d'incubation de 2. Ne chasse rien. Lâche. Moi, je prends 2 aussi. Mais il ne se passe fondamentalement rien. Voilà. Excuse-moi. T'inquiète. Pas de problème. Voilà. Donc, on a fini la baisse d'activité. Maintenant, c'est le grand blanc. C'est le grand blanc, donc on va compter les points de géo que nous avons. Donc toujours dans le même ordre. Donc Marc, tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu passes à 6 points. Tu passes à 6. Tu peux déplacer ton marqueur de ravitaillement en fonction. Voilà. Est-ce que t'as des zones à retirer? On fait maintenant 12. Ouais, c'est maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tu vas devoir perdre un gars. Ouais. On va aller perdre ici. Quoique. Ouais, c'est vraiment bien. Ensuite, c'est à moi. Donc, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7. Donc, j'ai droit à 14. Ouais, bon, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah. J'en ai un à retirer. Voilà. C'est vrai. 1, 2, 3, 4, 5. Je reste là. Il m'en faut seulement 10. Là, ah oui, là, là, tu vas le perdre. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, oh là là, 5. Ah, c'est... Ouais, ça... Ah là, le froid... Ça pique. Ouais. Ah, on doit être des hommes du Nord, là. Mais on sait qu'ils reviennent rapidement aussi. Ils reviennent vite. Rinstam, ça, ouais, ça respawn ouais. Vite, ouais. Plus rien dans les canons, plus une nourriture, il fait froid. Ouais. Tout ça, quoi. Le reste. Je sais. Non, c'était juste pour te racheter un peu de pression, que je disais. Voilà. Il y en a moins. Ah, il y en a moins, des mecs en fourrure. Ensuite, toi, tu. 2, 3, 4, 5 points. Donc 10 bonhommes. 5 points, 10 bonhommes, il faut que j'en retire. Non, je crois. 13. 3. Oh, t'as 3. Ah, quand même, hein. Ah, J'ai mal compté. Toi. Toi. Et. Toi. Parfait. On est dans la phase d'entretien. Donc le review, on enlève tout. On n'enlève pas les quarantaines, malheureusement. Ça, c'est, et non. Ça, c'est dommage. Ah bah quand même. On fait baisser le niveau d'incubation. L'incubation revient à zéro, donc c'est... ça, je précise, c'est une règle qui est mise dans le chapitre... Principes généraux. Donc c'est important de lire les principes généraux, parce que c'est les règles. Concepts généraux. J'ai oublié de remettre tes... Voilà, je vais remettre mes... Tes algofules. Mais à la fin de chaque tour, le niveau d'incubation redescend à zéro. Et l'entretien des contrats. Ouais, entretien des contrats. Donc c'est moi d'abord. J'en ai 3. Tu les payes? Ouais. C'est cher un peu. Ouais, je sais. Entretien tes contrats, Léo.
t'en as pas. Moi, je n'ai pas de contrat. Et moi, j'ai des contrats. Ah. Deux. Est-ce que tu les payes ? Non, je vais les payer. Allez. Moi, j'en ai et pas. Et donc, tour suivant. Tour 2. Voilà. Hop. Vas-y, prends en 3. 3. Donc, tu es guetteur, et donc, il va, une colonne de vapeur va apparaître quelque part. Quelque chose me dit que ça va être près de, quand même, des dégâts de la flotte libre. Hein, je ça va apparaître sous ses pieds en Rhénland, là. Hein. Ça va vexer tout le monde. Si, ouais. Donc, colonne de vapeur, un étage, un Nova Roma. Nova Roma. Il n'y a pas de dégâts. C'est pour ça qu'il est venu. Il savait. Ah non, c'est parce qu'on garde les cartes, tu sais, de. Eh oui, c'est bah oui, ça va pouvoir jouer l'archonte, Léo. Je vais pouvoir jouer l'archonte. Alors. Mais je bloque Mare Nostrum. Je vais faire un blocus. Voilà, j'en parlais. Donc. Où ça? Alors, je lis quand même le background. Hein. Ah, j'ai pas lu. Vous envoyez quelques forces prospecter les profondeurs marines à la recherche de ruines et ne souhaitez pas que l'on vous dérange durant votre expédition. L'archonte place un jeton cible face neutre sur une zone de mer de glace. Il est impossible de traverser cette mer de glace grâce à un déplacement maritime ou d'y placer un contrat des carénaires. Le légat n'est pas affecté par cette carte, mais oh, il n'y a pas de légat. N'est légat. Tu veux bloquer laquelle? Voilà. Alors, je vais réfléchir. Bon, je vais bloquer. Cratère. Tiens, c'est étonnant, mais je vais bloquer ici. Voilà. Centre de vision. Donc on ne peut pas passer par la mer du Nord. La North Sea. North Sea. C'est bien, ça me protège un peu mes côtes. Bonne idée. Ah, l'alliance. Mais c'est vrai que cette. Oui, c'est vrai que ça t'arrange aussi. Mais bon, moi je suis quand même bien accessible par le haut aussi. Hein. Je vais jouer Saxa. Si. Ça a négocié une alliance avant le début de la partie. C'est... Ouais. Ah d'accord. Il y a une. Y a... Comme ça, comme là, ça, là, sous les pieds. Une, alors, là, par contre, je risque de me faire attaquer, mais je prends le risque. Toc. Je vais pouvoir jouer mon Primus et réserver à la surprise générale l'archonte pour le tour suivant. Et je vais placer un Pélo en Sanzac. On va placer des jetons maintenant. Ouais. Voilà, nous avons tous joué nos... Nous allons pouvoir révéler tous les ordres. Voilà, oh là là, ça défend. Ah, ça bouge. Ah, écoute... Tourisme. Donc ouais. C'est à moi, pardon. C'est parti. Ouais. Je vais faire un recrutement, une mobilisation. Tac. Recruter. Ça alors ? Deux bonhommes. Deux unités ici. C'est à moi. Ici, je vais jouer une mobilisation. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais mettre de ce côté-là pour pas oublier que je l'ai. Je vais faire une mobilisation. Je vais faire venir une unité spéciale. On sent le rush là. Pas bon. Pas bon. Quelle idée. C'est vrai. Une... Ce sera celui-là. Oui. Je vais faire un grand host. Bah oui. Je pense que là... Là, c'est rentable. Là, c'est rentable. Mmh. Là, d'un seul coup, il y en a 4 qui reviennent. Mmh. C'est ça. Donc, je à répartir, en plus. En plus, je peux bien répartir où je veux. Mmh. Ah oui, tout de suite, t'es... Ouais. Voilà, j'ai fini mon tour. Ouais. Ouais, j'ai des... C'est donc à toi. Tu sens pas un peu ça? Moi, je sais pas, ouais, je suis pas sûr que ça dure. Je ferme, tu sais. T'as prévu de... Bah non, mais attends, il a pas déployé trois... C'est quoi, comment il s'appelle? Des glisse-neige? Non, pardon. Des érinies. Il a pas déployé trois érinies pour non, laisser c'est... la ferme s'envoler. Moi, je vais poser une toile ici. Il y a une petite balise toute seule. Il peut soutenir jusqu'à la balise. Alors encore faudrait-il qu'il y ait des gens... à cet endroit-là. À moi, pardon. À moi. Moi,
Moi j'ai un sérieux doute sur les motos, mais Moi j'ai un sérieux doute sur ma partie. Je vais faire pour être honnête. Un nouveau déploiement. Donc il me coûte un algo fuel. Hop. Pardon. Oui, excusez-moi. À toi Léo. C'est à moi. Je vais jouer ici. Je vais faire encore un recrutement, mais cette fois-ci ça va être juste un petit bonhomme. Parce qu'il m'en reste plus qu'un. Et tu payes aussi. Et je vais payer un algo fuel. T'es pas à plus de 5 là, non, non c'est bon. Je suis pile à 5. Ouais. C'est bien comment on se regarde là. Je sens que ça va être moi le sandwich là. Ça va être trop bien. À toi. C'est vrai, ouais. C'est à moi. Et alors Bah qu'est-ce que tu vas faire? Bah je vais poser une tourelle. Tu vas rester à plus. Ah ouais, non, là c'est pour l'instant, c'est plus 1 ou plus 2 la tourelle? C'est plus 2. C'est plus 2, donc là elle a 4 de force. En défense, ouais. Avant qu'on vienne me piquer, parce que. Ouais. Tu peux venir de là, tu peux venir là. C'est ton tour, c'est à toi. Pas à mon tour. Moi je vais jouer ça. Et déplacer celui-là. Ici. Oh non, je ne sais pas ça. Alors. Pour l'instant, j'ai rien fait. Pour rien, on peut m'accuser de rien. Non, il veut avoir un maximum de, de balises pour défendre aussi. Alors, pour défendre, ou alors, mais... soit pour venir attaquer. Ah oui, c'est vrai qu'il peut aussi attaquer. C'est un peu cette zone. On verra, tout va se voir ce qui va se passer. J'active un mouvement ici. Ouais. Non, mais c'est bloqué, mais alors. Ouais, mais je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Tu peux aller là? Ah, avec une marche. Ah non, je peux pas aller là-bas. Non, c'est pour ça que je dis qu'il y a que moi que tu peux aller en bas. Non, je peux pas aller là parce qu'il y a une marche forcée, je peux pas arriver dans la montagne. Donc ça sera soit là, soit tu vas ailleurs. Soit tu peux aller renforcer ici, du coup faire une grosse force là. C'est un peu l'idée, ouais. Ouais, c'est le plan, hein, c'est ouais. Ça, oui. Hop. Là, tu es 1, 2, 3, 4. C'est au maximum. Donc c'est à moi. Ouais. C'est sympa comme trop sympa, elle donne des... C'est à moi. Elle donne, elle fait plaisir d'étoiles. Je vais jouer cette défense ici. Je vais mettre simplement une forteresse. Comment ça s'appelle là? Une tourelle. Une tourelle, voilà. Je vais jouer une tourelle ici. C'est à toi. Bon, allez, on gâche les combats. Non. Ça gérait de se battre un jour. Ouais. Tu vois, t'as dépensé tout ça déjà, ouais. Ouais. C'est l'entretien qui a coûté cher. Ça, mais... Après, bon, au pire, une ou deux quarantaines, quoi. Oui. Oui. C'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive à des gens bien. Ça arrive au meilleur, quoi. T'as pas de ferme à construire, ça va. Je joue un jeton de défense. Et je vais recruter un Yotun. Ouais, je suis là. Là. Or. À toi. Moi, je vais dépenser 7 défense. Et jouer une mobilisation pour faire apparaître un gars ici. Un gars ici. Tu dois dépenser. Un algo fuel, tout à fait. Autant pour moi. Je vais jouer ce mouvement. Hop. Ouais, je vais peut-être la prendre devant moi quand même. Donc là, c'est à moi. Ça aurait été bête de la laisser partir. Les choses sérieuses. Tu peux pas déplacer celui-là? Je me pose encore la question. Parce que. Ça ferait une action en plus, mais. Non, mais t'as raison. Allez hop. Elle peut se souvenir avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux être à 7. Mais là, c'est qu'à 5. Hein. Là, c'est 5. Ouais, mais là, il y a qu'un point de victoire. Tout le monde. C'est dur un point. Il y a un point, une tourelle, pas d'incubation, c'est une ferme. Plus victoire, plus incubation. Le problème, c'est que si je vais attaquer ici, toi tu peux m'attaquer derrière. Voilà. Ah toujours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est un scénario offensif, Léo. Je pense qu'il faut que tu attaques. Là, il faut que j'attaque. De toute façon, là, il faut que j'attaque. Du désavantage de jouer avant les autres. Finalement. Non, mais il faut que tu commences par l'est, de toute façon. Je commence. Oh là là. Oui, je pense que c'est. C'est plus raisonnable. Il y a une mauvaise ambiance ici. C'est tout un peu de sauver. Le problème, c'est que si je perds, je perds deux. Perds deux élites. Hein. Que tu gagnes ou que tu perds, tu perds un élite. Parce que c'est, tu détruiras ma balise et c'est une balise Médron. C'est une balise. C'est une balise Rhône. Dans tous les cas, tu perdras une élite. Donc il vaut mieux m'attaquer là. Tant pis.
Dommage. Là, j'y vais. Après, le jeton, il y est toujours. J'y vais et je mets une balise. Ça, c'est bien, ça. Voilà, pour la fin. Alors, tu as une force de combien, Léo, pour ce combat? De 6. Ah oui, il va falloir qu'il dise... Il va falloir choisir ses soutiens. Moi, j'aurais une force de 3. Parce que je soutiens avec eux, là-bas. Enfin, avec le canon. Ah, ouais, il se garde une option possible. Donc seulement 2-3. Ouais, 2-3. Quoique, tant pis, je l'ai fait. Je l'ai fait, je vais pas rollback. C'est pas beau. Bon, donc ça fait 3 contre 6. C'est ça. Tout à fait. Ouais. J'ai misé 3. J'ai misé 0. Tu dépenses. Je dépense mes 3 algo fuel. Tu gagnes celui-là. Je gagne celui-ci. Et tu perds une. Je perds une unité. Alors non, dans la boîte. Ouais, dans la boîte, oui. Oui, ma boîte. Moi, sera là-bas. Ouais. Et tu gagnes... Où est-ce qu'ils sont? Un cube moral. Ils sont là. Ah, ils sont dessous, oui. Il y a un cube de moral. Ici. Ouais. Donc je suis à 6 toujours, hein. Ouais, c'est toujours à 6. Ouais. Voilà. Non, mais il me construit ma ferme, c'est sympa. Séverine. Ouais. Je construis ta future ferme, c'est ça. Non, mais il va aller construire la tienne après, là-bas. Ouais. C'est là que c'est du communautarisme. Quelque part, on est tous très amis. Travailler ensemble tous les jours, tu vois, on s'entend bien. Y'a pas... Oh là là. Oulala. Mais attends, mais c'est toi qui veux m'attaquer, j'aurais en dû fait. Laisser un... C'est toi qui vas m'attaquer, en fait. Après, je peux faire le tour. Je sais que je suis sur une montagne. Ah, actuellement, je peux pas les seuls qui peuvent venir, c'est les Katavats. Et pour l'instant, ils sont un peu loin. Ça me permet de patienter et de regarder la situation. T'actives ça ou tu passes, du coup? Réfléchis. Dans tous les cas, hop, tiens. Ouais, merci beaucoup. Je vais en envoyer un là. Envoyer le reste. Ça y est, là. L'action. Le coup, là, ça y est, c'est parti. Là. On est à 4. Je soutiens avec ma balise. Non, c'est pas grave. J'ai eu une hésitation avant de mise en donc, c'est combien pour. 4 contre 5. 4 contre 5. Donc 4 pour Louis-Marie et le Rhône, le conglomérat du Rhône, et 5 pour le Rheinstein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Mais là, tu vas tout miser, t'as plus rien à faire. T'es obligé de dépenser. Ce qui fait mes affaires. Allez, combien ? 0 et 0 contre 6. Contre 6. Ouais, j'avais quand même eu l'hésitation de me dire. Bah, il faut souvent assurer quand même. Est-ce qu'elle dépenserait ou pas ? Alors, t'en as enlevé que 5, hein ? Je sais. Ah, tu mets du. J'enlevais un rouge. T'enlevais un rouge. Ah, quoi que. Je vais donner mon. Bon, je me permets. T'enlevais deux rouges ? Je me permets celui-là. J'ai enlevé un rouge plutôt dans le tour. Ah, d'accord. Je t'ai donné mon petit. Alors. Ouais, j'ai vu. Hop. Je me suis mis un cube moral. Je fais. Une action mouvement. Bah, viens là. Vas-y. Voilà, par la mer. Donc là, il y a 4. Si j'arrive à 1, 2, 3, 4, 5, ça suffira. Ça suffira. Hop, par la mer, donc j'ai pas besoin de dépenser d'action spéciale de marche forcée. Et du coup, quoi qu'il en coûte. Donc j'attaque avec 5. Bah, je défends avec 4 seulement. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut penser que. Allez. À un moment, à la fin du tour, on va devoir dépenser un algo fuel si, sur toutes les colonnes qui n'ont qu'un étage pour en faire des fermes. Et donc, si on a tout dépensé dans le combat, ben, on peut pas transformer la colonne qui disparaît. C'est une pure perte, puisque. Je sais pas si tu le gagnes, du coup, voici. On prend l'incubation et en plus, on ne peut pas avoir une ferme. Il servira à rien parce qu'il n'y a plus d'action. Ouais, mais il fait joli. Alors, ça donne quoi ? On va bloquer ici. J'ai perdu mon Yoton. J'ai perdu mon soldat d'élite, il est là-bas. Et tu as misé quand même. Misé 2. Au cas où, il misait rien. Bon, bah, je me sens mieux là. Ça ne veut pas dire que je vais quand même faire. Je peux venir là. Celui-là, il lui reste plus que 1, il va pas défendre. Ah, il pourrait. T'as combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 5. En fait, j'ai plein d'options possibles. Maintenant, vous êtes affaibli. J'ai même l'option de dire, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle pourrait quand même revenir m'attaquer. C'est mais pas bon, comme ça que j'aurais qualifié Séverine, du coup, d'affaibli, mais... Moi, ouais, je me sens en tresse. En fait, lui, il peut même sauter, il peut même venir là. Il a même pas de combat non, à faire. Je ne peux pas sauter les zones. Bah, si. Si, les Katabats. Mais t'es tout seul. Ah ouais. Seul. Si je l'envoie lui seul, je peux aller le prendre. Mais je reviens.
Tu peux revenir, mais t'as pas beaucoup de... Ça fait par une balle, oui, mais je suis 5. Oui, ah, mais c'est 3 tours. Tu vas juste perdre... C'est vrai. Il n'y a que 3 tours, des balises. Tu vas juste perdre des balises, c'est pas si grave. Bah, ça sert à rien. Ou alors, je peux aller... Ici. Bon, c'est vrai que là, il y a pas de normalement... Moi, je suis un peu éparpillé. T'es un peu éparpillé, ouais. Tu pourras pas trop... Niveau ressources, il est pas traité là, quoi. Mais après, il faut que je fasse attention à pas y aller avec trop de force non plus, parce que Séverine peut m'attaquer derrière. Alors après, on a peut-être pas trop intérêt. Puis derrière, moi, je vais faire du chirurgical, je préviens tout de suite. Et là aussi, c'est 5, non? T'as un cas, soutien. Là, ah, c'est 15, oui, mais là, ça soutient, et là, ça soutient. Non, je crois que, malheureusement... T'as passé le tour, hein. Je vais aller attaquer Marc. Il va venir m'embêter, je suis trop dispersé. C'est plus logique, il est un peu dispersé, ouais. il a plus d'algo fuel. Il faut que je laisse quand même suffisamment de force pour que Séverine ne soit pas tentée de venir m'attaquer. Je pense pas qu'elle va le faire. Puis en plus, je vais perdre. Je pense pas qu'elle va le faire, mais là, je suis obligé d'aller chez Marc. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais faire une action spéciale de mouvement, c'est celle-là. Hein. Je dois dépenser, donc marche forcée, je suis obligé de dépenser un algo fuel. Et donc là, maintenant, il a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut que j'arrive à atteindre au moins 5. C'est 3 ou 4 qu'il faut que je mette. Il n'y a plus que ceux-là qui peuvent attaquer. Hein. Ils sont 5. On ne va pas se priver. On peut le faire, mais je ne suis pas sûr non plus. C'est un peu. Mais c'est vrai que là, Séverine a tout intérêt à m'attaquer, vous avez raison. Je parie plutôt le truc en te disant que tu viens, l'autre va prendre la confiance et du coup, tu mets juste de quoi passer l'égalité. Ouais, quand t'attaques, ouais. Je pense que tu fais. Dans du méta, tu vois. Donc tu baisses complètement ton froc. Je vais l'attaquer, je gagnerai quoi qu'il arrive. Donc. On voit tout, mais une balise. Tu dé... Bon, tu j'en ai plein des balises. Hein. Tu détruis quoi du coup? Attends, non, je lui donne pas, je lui donne pas. Ah, moi, j'étais trop chiant. Alors, sachant que si tu laisses une unité, elle va t'attaquer, elle va gagner, et tu vas lui donner une unité qui lui donnera des points de victoire. Oui, t'as raison. Non, parce que c'est des points de victoire en cas de paire. Donc, une seule unité, c'est pas des points de victoire. Oui, mais il faut une paire, ça commence. Par contre, qu'est-ce que tu détruis comme bâtiment là? Oui, t'es obligé de détruire. C'est deux bâtiments. Oh, bah écoute, je vais détruire la ferme. Hein. La terre brûlée. Ah, la stratégie de la terre brûlée. Exactement. Non, mais c'est vrai, elle va m'attaquer. C'est pas grave. Elle va m'attaquer. Dommage. Bon, elle va quand même prendre un point de victoire. Moi, c'est. Donc. 1, 2, 3, 4. Je suis à combien? Je suis à 5? Non, t'es à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 contre 5. 6 contre 5? Même pas besoin de miser. Non, j'ai pas besoin de miser. J'ai pas vraiment besoin. Mathématiquement, pas besoin de miser. Zéro. Bravo, au combat. Donc tu prends un comme ça. Voilà. Et un autre que tu perds. Il y en a un autre que je perds et l'autre qui va venir là, évidemment. On met un petit coup de morale. Pour faire jouer. S'il est d'être franc. Voilà, ça a été violent là, ce jour-ci. Hein. Le premier c'était observation, là ça a été dans tous les coins. Là. Il y a des combats partout. Bon, allez, c'est vrai. C'est pas fini puisque Séverine. Alors vas-y, Séverine, qu'est-ce que tu fais? Du coup, je vais jouer ce déplacement-là. Et je vais dépenser un algophile de contrebande pour jouer une marche forcée. Déplacer toutes mes unités ici, en passant ici. Comme ça. Donc tu détruis la tour à l'ennemi au passage. La balise. Tu détruis ta balise qui est retirée du jeu. Oui, qui est remise dans la boîte. Alors, c'est vrai qu'on pourrait penser que comme ma balise est là, elle ne peut pas la traverser, mais en fait, une balise, c'est pas une unité, donc elle peut faire une marche forcée à travers ma balise. Et donc là, il y a un combat. À 4 contre 5. Ah, je suis vivant dans le coup. Ok. Et pour j'ai misé. Ok, moi aussi. Cette fois-ci, on est prêt. Alors là, c'est. J'ai misé 1. 2. Donc elle gagne. Ok. Alors, il faut que tu remettes de l'incubation. Il y en a un qui se replie. Non, j'ai dépensé mes deux qui restaient. Ah bon, d'accord. Il y en a un qui va dans ta boîte. Par contre, tu prendras deux dans la boîte. Il y en a un qui se replie. Qui est retiré de la boîte, non? Non, qui va dans ta réserve de boîte. Dans ma réserve, d'accord. Celui-là, je le garde, et celui-là peut se replier. À peu près, à deux endroits différents. Je veux bien un petit cube de morale. Oui, si tu veux. Voilà. C'est vraiment pour la forme. Ouais, mais c'est joli. Ouais. Ça indique que quelque chose s'est passé. Alors, qu'est-ce que tu prends pour le dernier tour? Je suis un peu étalée. Bah, tu sais quoi? Un petit peu. Véritablement, à surprise générale, je vais prendre le guetta. Et t'avais bloqué l'archonte.
Il faut le laisser, bloquer. Ah non, tu l'enlèves. Non, non, du coup ça l'enlève. Ah oui, c'est ça. Du coup ça l'enlève. Mais en réalité, je préfère prendre ça. Donc maintenant, c'est à toi, Marc. C'est à moi de passer. Non, je vais prendre. Je vais rester fidèle. J'ai été guetteur tout du long. Je vais rester guetteur. Il a vu toutes les colonnes. Toutes les colonnes du jeu. Je sais pas si c'est le bon choix. Mais... À toi, Léo. Allez, je vais aller sur les gars. Tac. Voilà. Alors, dernière action. Petite tourelle. Tout ça. Petite tourelle. Ouais, petite tourelle. Tac. Tac. Mais du coup, il n'y a que moi qui joue. Voilà. Tu vois, la surprise générale. Moi, je vais ouvrir la mer. Je suis pas concernée par tout ce bazar. Ah, les bases d'activité, est-ce qu'il y a des colonnes libres? Non. Non. Alors, ce sera. Pas de colonnes libres. Ce sera chez moi d'abord. D'abord, oui. Alors, je prends un d'action. C'est tout? C'est tout. Je prends un cube. Voilà. Non, c'est pas grand-chose. Ensuite, c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Alors, moi, j'en prends rien, là. Un. Oui. Ah non, rien. Rien. J'en prends un. Et tu construis une ferme? Et je construis une ferme. Donc j'en prends deux. Tu prends un jeton quarantaine. Un jeton... Non, non. Non, pas encore. Non, pas encore. Non, non. Non, non, il est bon, là. À toi, Séverine. C'est à moi. On va bien se marrer. Ça va être dur dans les tours de mon côté. Alors, un. Un. Deux. Et trois. Trois. Quatre. Ah, et 4. Et 4. Et tu construis une ferme. Et je construis une ferme, ça fait 5. Oh, 3 morts exil là. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 3 morts exil. 3 morts et 2 quarantaines. Alors, 2 quarantaines. Ah, oulala. 3 morts et exil et 2 quarantaines. Là, on voit tout l'impact du fléau. Ouais. Tous ces gars, ils sont devenus complètement fous. Ah, alors là, elle s'est pris des. Le fléau, c'est ça, c'est le fléau. C'est pris des... le fléau. On enlève les actions spéciales. Ah non, je vais dire c'est juste après, juste après. Tu vas en 3 mois à exil. Parce que moi, on a. Donc ça fait déjà un point de victoire en moins. Déjà, là, c'est dit. Mais si j'en récupère un. C'est potentiellement, qui, ouais. C'est qui ouais, mais il faut des mecs pour gagner un combat. Aïe, aïe, aïe. Hein? Ça dit les mots. Et les mots sont quelque part. Ouais, ça me fait mal. Bah, ouais, tu vois, en 2 mois de jeu continu, j'ai jamais vu autant de gars d'un même clan sur la mort réussie. Là, je dis ça. Là, ils ont pris cher. Prends-le comme cher. Tu veux, mais. Là, le fléau, là, il. J'espère que on nettoie. Ça va porter ses fruits. Oui. D'abord, on va compter les unités à retirer. En fonction de notre score. Alors. Tu les as fait, toi, t'es. Ouais. Tu as fait des diminutions. Ah, j'ai oublié celui-là. T'as pas fait des diminutions? Ah non, tu les as pas fait. Ah non, c'est mon tour. Non, c'est ton tour. Ah oui, j'en ai 3 moi. Je vais me faire un peu de mort exil aussi. 3, 4. 4, oh putain. Ça fait 2 morts exil. 4, et est-ce que tu fais une ferme là? Et là aussi. Alors je vais en faire. Et là aussi. Non, c'était là ou là. C'était les deux. Donc ça fait une mort exil en plus. Bah oui, ça vaut le coup. De toute façon. Petite ferme. Donc j'arrive là. Tu la mets où? Donc ça faisait 4 plus 1, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2 morts et exil. 2 morts et exil. Où mets-tu la ferme? Alors la ferme, on va la mettre. On va la mettre là quand même, ça va être protégé. Prends les quarantaines là-dessus. 2, 3. Non, parce qu'il a déjà pris la 3. J'en ai déjà pris une. Il a déjà pris la 4ème. Non, pas, c'était au tour d'avant. Ah, c'était au tour d'avant, attends, on va mettre 3 quarantaines. Ouh là là là, le fléau, il a fait mal là. Il a fait mal à la flotte. Alors, libre façon, et au Rheinstein. 1, 2, 3, 4. Rheinstein. De toute façon, je vais être à 4. Donc. Tu peux les poser en exemple, tous les 4, t'es obligé de les poser sur la case la plus haute. Donc. C'est le dernier tour. Donc, passe pas. Ouais. Tu en as placé 4. Ouais. 3, en tout 4. Putain, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bienvenue au club des 8. Donc là, maintenant, alors, on va compter. Attends, d'abord les morts exil. D'abord les 2 morts exil à partir. On va enlever un ici. Et voilà, t'as un point en moins aussi. Ouais, j'ai un point en moins. Ah, mais. On me charriait, mais. Ah, là, il faut. Ah, ça s'envoie les mots, mais bon, au bout d'un moment. On va faire une. Même combat, vous deux. Finalement, vos unités qui sont là, qui hurlent des insanités dans la rue, ivres, complètement détruites par le fléau. Il reste deux.
Ok, ensuite, on nettoie Les scores d'abord. Les scores d'abord. Alors, on commence par toi, Louis-Marie. Tu as 4. 1, 2, 3, 4. Donc, hop. 104, il faut que je retire un certain nombre de personnes. 1, 2, 3, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc 5 unités. Oh là là, mais ça va être tout, on va être tous être mangés à la même enseigne. Ouais, je pense. On s'est trop tapé dessus. Ah, il y a eu beaucoup, beaucoup de colonnes de vapeur par rapport aux parties que j'ai pu voir. Alors, ensuite, à toi. Ensuite, c'est à moi. Alors, moi, j'ai 1, 2, 3, 4. Je suis moi aussi à 4. On va tous être à 4, je crois. Donc, je passe à 8, là, c'est ça? Non, je suis à 5. Donc, il faut que j'en retire, quoi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 13, donc j'en ai encore 5 à retirer. Moi aussi j'en ai 5 à retirer, c'est ça? Eh vas-y, bon, ça va faire un gros tri. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je vais retirer 3. J'en ai 5 à retirer, là, c'est énorme. Attention avec tes coudes. Oui, c'est vrai. 1, 2. Les coudes qui partent avec le matériel. Mais alors, quelques mobilisations, je crois, à ce tour. Non, je sais pas. Franchement, je le voyais pas comme ça. Ben là, c'est un sacré avantage. Moi, de toute façon, je peux plus. Ah oui, je peux pas faire ton grand poste. Alors, à toi. T'as combien? T'as 5, toi? J'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu bouges pas. Je suis à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, ben, bah, nickel. Retire rien. Et moi, je crois que je suis à 4. 1, 2, 3, 4. 4. Ah, c'est ça, 4. Bienvenue au club des 4. Ouais, ouais. Donc j'en retirerai 3. Je suis en tête pour la première fois. Il faut que j'en retire 3. Putain, ça fait chier. Alors là... Bon bah voilà, je peux aller prendre là maintenant. Puis... C'est bon, les motos, la balle, ça va rien. Je peux les enlever. T'inquiète, ça va rien. Je peux un peu les enlever, non? Je peux venir là aussi. Et puis, En fait, je vais grignoter. Ok. On ravitaille. Ouais. Alors, on descend la piste d'incubation. La piste d'incubation redescend à zéro. Heureusement. On remet les algophiles. On remet les algophiles à fond. Et moi, est-ce que j'entretiens? C'est un petit nom qu'on a. On a deux à entretenir. On retire ça aussi. C'est la merde. Là, je ne vais pas les entretenir. Ça ouvre pour les camarades, ça m'arrange pas. Est-ce que tu les entretiens, toi? C'est une bonne question. J'y ai pas encore pensé. Ça coûte cher ou non, quand même? C'est à moi, j'ai pas d'entretien à faire. Là, j'ai aucun intérêt à entretenir ces deux-là. Aucun intérêt, y a pas de... Et celui-là, est-ce que j'ai intérêt à l'entretenir? Non plus. Léo, faut que tu retiens ses affaires. Baston, donc... Troisième et dernier tour, et donc on passe au tour 3, c'est Louis-Marie donc, qui va faire apparaître une colonne de vapeur. Dans son coin. Certainement. T'as jamais été guetteur? Ah non, t'étais primus et archonte. Donc t'as pas de carte en réserve. Tu vois, moi j'ai déjà 4 cartes en réserve. Ça aurait été bien de jouer le plan de l'Alliance de l'Ouest. Ouais. Dépenser les cartes. Ah, ouais. T'es là. On va créer du jeu un petit peu. Alors. On va faire apparaître une colonne de 3. En Istra. Je me suis trompé. Istra. Voilà, on va créer du jeu un petit peu. Comment attirer toutes les colonnes. Léo. Les gars. Où te mets-tu? Du coup, le cratère, c'est cool, hein. Le cratère est intéressant. Il devient vachement plus intéressant. Donc soit c'est en haut en fait. Les inconnus occidentaux qui bloquent Norvège et Nancy. Dans le cratère. Voilà. Okay. Ensuite, Archonte. Régale-nous. Mec, tout reste joué sur ce dernier tour, hein, c'est clair. J'imagine. Là, on est tous assez proches. Je sais déjà quasiment quel jeton je vais mettre. Hein. J'imagine en déblayer les accès. Ce serait fou. Chose qui permet de faire des marches forcées en montagne. Il y a une Archonte qui permet de faire ça pour tout le monde. Tout le monde peut faire des marches forcées en montagne. Ça aide de connaître les paquets. J'avais ouverture du Havre austral. Mare Nostrum et Radrensko Mare sont considérées comme adjacentes. Donc si on possède un contrat sur une de ces zones, c'est comme si c'était une seule et même mer.
Non, adjacente, ça veut dire que si t'as un contrat là et là, tu peux passer de là à là. Mais attendez, ces deux-là sont adjacentes. Ouais. Je vois pas comment. Non, ça devait pas le voir. C'est l'effet de la carte. Parce qu'il ouvre un havre. C'est l'effet de la carte. Ces deux-là sont adjacentes. Oui. Mais il faut quand même un contrat là et là si tu veux passer. C'est comme si on passait par comme ça. C'est ça. Non, un seul, il en faut. Non, non. Non. Si, si. Je trouve qu'on dispose d'un contrat dans ces deux zones de mer de glace, considérées comme une seule zone. C'est ça. Donc toi, par contre, tu mets un jeton ou quelque chose? Non, non, moi j'ai rien, c'est juste... Il faut mettre quelque chose quand même, non? Non, non, bon, on peut les marquer si tu souhaites. Tu peux le matérialiser. Comme ça, ces deux-là sont intéressantes. Pour tout le monde? Pour tout le monde. Et elle a un contrat? Non. Non. Non, c'est pas ça? Non, non, c'est juste adjacent. Moi, j'ouvre juste... Adjacent, au même titre que ces deux-là... Ah oui, si votre plan dispose d'un... Par contre, il faut procéder à un contrat dans les deux zones, quand même. Voilà. Alors, il faut lire le petit background aussi, quand même. Ah, pardon. Oui. Sous la pression du conclave, les caréneurs ouvrent les accès au havre flottant au beau milieu de la Mare Nostrum. Alors, du coup, c'est à mon tour. Hop. 1, 2 et 3. Bon, je vais jouer celle-là, idée de départ. Une colonne de 2 étages en Rhône. Oh, mais comment je défends ça? Ok, on y va, réservation. Enfin, Ordre. C'est bon. Ok. On révèle. Hop. Ça bouge. Ça bouge. C'est bon. Eh bien, c'est à toi. Effectivement. Moi, je veux ça. Dès le départ, ça va. Ouais, bah ouais. C'est génial, ça. Ah ouais. 4 contre 4. Je ne soutiens pas. Et alors, t'annonces combien? C'est l'attaque qui annonce d'abord. Sinon, il ne peut pas soutenir lui. Et après, t'as plus le droit de changer. L'attaque qui annonce d'abord. Non, moi, je joue 4. Donc, 4 contre 4. Toi, tu peux c'est pas ça. Soutenir. Ça m'énerverait bien que tu l'aies. C'est bon? Allez, comme ça. Allez, on y va. 3, 5. 5, 3. Donc, Louis gagne. Hop. Je pense à 2-2. Mets un petit cube. Ça. Et tu récupères ton ordre. Eh ben c'est à toi. Ouais. Donc j'ai mal. Bah oui. Ouais. Et oui. Ouais, mais là, vous savez que là, pour l'instant, il gagne. Qui ça, Léo? Non, moi. Mais... Ah bah oui. Pour l'instant, après, franchement, partie pas finie. Je dois dire que la partie est pas finie. Donc toi, t'es en baril, t'es en slip. Ça va, tu vois, moi je peux jouer. Après, mon poids, mon poids, mes 40 ans, ça va, tu vois. Je vais jouer un truc de défense et je vais faire un contrat. Ah. Avec les caréneurs. Donc, tu contrôles combien de havres? 2. Quelle défense tu veux jouer? Celle-là. Ok. Donc, je peux en mettre 2, c'est ça? Ouais. C'est ça, tout à fait. Tu veux les mettre où? Ou alors, je peux en mettre là aussi. Là, tu... là et là. Mais ouais, tu feras pas du coup. Si jamais eux meurent, ils meurent. En fait, si tu les mets là et là, tu pourras pas bouger parce que la mère, elle est là. C'est ça. Ouais, tu pourras pas bouger. Ça t'amènera. T'es obligé d'en mettre un là si tu veux pouvoir fuir. Si tu veux utiliser tes contraintes. Ils sont là. Là, au moins là. Après, t'es les gars, donc t'en as un ici. Je vais en mettre un ici. Là, j'ai rien à ce coup. Alors, Séverine. Non, je sais pas quoi faire. Ah mais il va falloir le faire. Je vais décider. Tu crois comme dans Rainbow Six avec un timer, ça pourrait pas changer le jeu aussi? Ah si, là, ah. Mais ouais, mais là... J'ai mis ma double tourelle. Ok. Tu sais qu'au pire il y avait l'option de patienter hein, dans le jeu. Non. Ah, non mais bah, c'est mieux de patienter avec une tourelle. À toi Léo. Ben, non c'est à toi. C'est à toi. Ah oui c'est à moi. C'est à toi. À moi.
On la balise. Donc Léo il peut plus se mettre là. Mais Léo il peut plus t'attaquer là. Donc... Après il y a l'Istra à jouer, hein, tu sais. Ah, il peut plus m'attaquer ici. Donc déjà ça change une, un truc. Alors après, si en fait, toujours t'attaquer avec ça. Oui, c'est vrai. Bon, on va rester. T'as raison, on va rester sur la première idée encore. Hop. On va recruter deux pélos. On va recruter voilà. Deux pélos ici, comme tu dis. Bien vu. On fait simple, on temporise. Tu sais quoi, moi je vais dépenser celui-là. Faire une tourelle. Bah pourquoi personne peut venir ici? Bah si, il fait une tourelle. Mais ouais, t'as raison. T'as raison, lui. Moi je vais mettre deux gars. Là. Ouais. Donc c'est à nouveau à moi. Et il ne me reste plus que deux jetons. Donc là, je vais le jouer un mauvais lâche. Le bon lâche, le mauvais lâche. Je vais jouer un défense. Du bon lâche. Tu mobilisation. Je vais faire une mobilisation. Maintenant, est-ce que je mobilise c'est deux bonhommes ou une élite. Fondamentalement, ça. Si, ça peut changer les choses. Changer la chose. Si, parce que s'il mobilise deux bonhommes, il peut en mettre un dans les deux zones adjacentes, ce qui. Ah, ça se joue là-bas. Ah, il peut défendre la balise. Bah ouais. C'est vrai, mais si je viens là, si je mets un bonhomme là, je vais être une cible. Alors sinon, les gens vont y aller en se disant, bah c'est gratuit, s'ils veulent le faire, et ils m'attaquent pas. Donc je vais faire venir un élite. Donc sur la case, la côté. Il faut que tu payes un fuel pour l'action. Ouais, c'est vrai. Non, c'est toi qui est un. Non, allez. Qui est la cible là. Je sais. Alors qu'est-ce que tu fais du coup? Laisse-moi essayer de tourner les choses. Laisse-moi essayer de pourparler. Je vais là. C'est de maintenir mon thème. Eh ouais, il a 4. Ah oui, si tu m'attaques, en fait, tu auras mis tous mes trucs contre moi et tu seras. Mais t'as plus que 4 à l'eau au fioul. Oui, bien sûr, mais ça, c'est. En fait. Moi, non, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. C'est une mauvaise idée. Mais ça, si, parce c'est que, en fait, les autres, ils ont plein de trucs et derrière, ils vont. On va perdre tous les deux si tu fais ça. Je te préviens, hein. Mais. Bah oui. C'est écrit. En fait, c'est si je bouge autre chose. Si je te préviens, bien sûr, encore plus ton contrat. Tu... Mais oui, mais regarde, là, tu. Moi, c'est ma dernière action. Donc, je vais être obligé de me défendre à fond. Parce que sinon, je peux rien faire. Donc, j'ai perdu. Si tu fais ça, je vais me défendre à fond. Toi, tu vas. Forcément, si tu veux essayer de gagner, dépenser beaucoup d'algo fuel. Et derrière, bah, moi, je serai complètement HS. Toi, tu seras exposé. Et tu auras laissé, tu n'auras pas embêté Louis qui est entré en tête. Et. Je peux pas. Elle peut pas embêter. Je peux pas l'embêter lui. Moi, je suis un peu bloqué. Bah, ouais. Ouais, faut que tu viennes chercher ici à l'arrière. Mais je peux pas. Avec un compte, faut faire un contrat, non? Ouais, mais ça veut dire défausser la défense là, que t'y ailles. Bah fais ça si tu veux, mais je vois ce que va donner là. En fait, tu donnes la victoire à l'un des deux. Et voilà, écoute, c'est ça que je veux dire. Tu ne dupes personne, Marc. C'est clair, hein. Franchement là, c'est sûr, moi c'est ma dernière action. Donc quoi qu'il arrive, si tu m'attaques là, je vais être obligé de me défendre à fond, sinon je fais rien. Donc, Et Léo sera un peu dans une good place, quoi. Ah bah oui. Ah, t'as réussi à la convaincre. C'est partie du jeu, hein. C'est métier de communicant, tu sais. Attention, je n'empêche pas de le faire. Hein. Je donne juste. Et d'ailleurs, tu as remarqué qu'ils ne m'ont pas contredit là-dessus. Ils n'ont pas dit. Ah non, mais c'est pas vrai. C'est pas truc. C'était très content que tu fasses ça, tu vois. Voilà. C'est pas notre game, en fait. Bon, moi. Je vais faire une seconde action de mobilisation. Je paye mon algo fuel. Et je vais mettre deux bonhommes. Ici. Oh là là. Ah bah oui, il prépare son raid. Ah moi, exactement. Non, mais il attends, pas, un truc que j'avais pas vu. Il y aura que la moto qui va bouger. Il a plus de défense. Vous êtes contraint. Il va là. Oui, bien d'accord, mais il y aura que la moto qui ira là-bas. Ah parce que. Pourquoi? En fait, il y a. Parce qu'il a pas la mer. Il a pas la mer. Il n'y aura que la moto qui ira là-bas. Qui ira là? Non, qui ira là-bas. C'est bon pour moi. On va voir. Ça dépend de Séverine, hein, la suite. Ça, c'est à moi, c'est à toi. C'est à toi. Tout dépend de Séverine. Ce que je fais, dépend de moi. Ouais. Que fais-je bah, ils ont dépensé leur mouvement en premier, ou presque. C'est vrai. Alors que, donc, Louis, il est plus mobile ou pas beaucoup. Il reste une action, un mouvement. Ouais, mais. Séverine, il lui en reste deux. Toi, il t'en reste un, mais ils sont. Enfin, voilà, t'es plus mobile qu'eux, et puis tu peux quand même plus m'embêter qu'eux. Je vais patienter. Impatienter. Ouais, c'est une action possible dans le jeu. Ouais, je sais bien, mais. Tu vas pas prendre Istra. Bah pourquoi j'irai en Istra? Ou un recrutement ou...
Ouais, j'ai pas d'intérêt, Léonidas. Pour l'instant, tu n'as pas de contrat dans les mers. Tu vois ? Alors, Léonidas, okay. Ta dernière action. Ma dernière action. Donc là, je suis obligé. Après, c'est terminé. Donc, là, j'ai plein de choix possibles. Les contrats, j'ai un. Moi aussi, j'en ai plein. J'ai accès à plein de trucs puisque je suis là. Là, ah oui, c'est et là. D'accord, mais dans ce sens-là, je pensais que tu allais venir vers moi, mais... pas forcément, dis, bah non, toi t'es à fond, c'est pas... Donc réellement... Je pense qu'il faut que t'attaques Séverine, moi. C'était bien joué, ta négociation, là, tout à l'heure. Maintenant, vas-y. Mais c'est après, elle va revenir. Elle va revenir, donc il vaut mieux... Mais tu veux qu'elle revienne par où? Bah là, elle est là. Ouais, mais si tu gagnes ici, son jeton. Après, il faut gagner. Attends, mais tu rigoles, elle a 5 de défense. Et 5 elle a, contre 4 de... et il a vachement la défense. C'est rien ici. Bon. Ce que je peux faire, c'est le prendre ici. Mais elle, elle va du coup me réattaquer. Je lui dis, tu me dis, ouais, mais du coup, ça a la force à le faire. J'attaque ici. On me le dit. À combien? On te le dit souvent. Dans les jeux, ouais, bah, on fait. Mais il n'y a pas de souci. 5 et 100 soutien. Ouais, je payais que j'allais gagner, tu vois. Mais j'embête les gens. Ouais, vous êtes à égalité en algophile. Bon, mais écoute, je pense qu'il faut que j'attaque Louis-Marie, ce sera le plus drôle. Attends, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas... à quel endroit il n'est pas soutenu? Je trouvais ça drôle tout à l'heure. Ici, hein. Il n'est pas soutenu, il est en, il est en montagne. Ici, il n'est pas soutenu. Non, ouais. Ben voilà, je vais faire ça. Je vais laisser une balise ici. Là, t'en as plein, toi. T'as un clan en vous. Un clan à balise. Un clan à balise. Et alors c'est vrai que ça, c'est un mouvement que, à part moi, peu auraient pu faire. Hein, parce que venir de là, aller sur une zone de montagne aussi loin, mais je peux parce que c'est j'ai dommage un contrat de... ici, j'ai le légat ici, j'ai un contrat ici, moi, et je peux... Quelque part, c'est dommage de... Que... Ah oui, je c'est dommage de donner l'affaire, mais de laisser Séverine tuer lui pour gagner son point à la fin. C'est dommage, en vrai, tu vois. Moi, j'y avais même pas pensé, merci. De rien. Mais tu vois, c'est gratuit. Ouais, peut-être pas faire ça. C'est un cadeau. Faire autre chose. C'est un cadeau que tu lui fais. On voit bien. Je trouve ça dommage. Allez, baston. T'annonces combien? Je suis à 1, 2, 3, 4. Et moi, je suis à 5. Voilà, tu es à 5. Alors, vas-y. Il a mis combien? 1. Et moi, j'ai mis 4. Ah ouais, il a tout joué, quoi. Voilà. Tu vas pouvoir mettre une quarantaine sur ton dernier jeton. Du coup, je perds ce mouvement. Je perds ces deux unités. Tiens, quarantaine. Hop. Parce qu'elle a retiré. Je lui ai une quarantaine. Ça peut être pas fou de toute façon. C'est là. Voilà. Alors, Séverine. Non, mais je vais attaquer. Tu vas attaquer moi? Oui. Si c'est pas malheureux, ça. Je fais une marche forcée. Ça arrive, ça arrive, écoute. Ah, mais il faut que j'en aille, faut que je laisse un gars. Pourquoi? Regardez pas sur la ferme. Ah oui. Balise. Ça après, tu gagnes celle-là, tu vois. Finalement, mathématiquement, ah, tu viens ici. Oui, je viens t'empêcher d'utiliser tes jetons. D'accord. Ah, c'est pas mal le dernier tour là. Il se passe des trucs. Non, peut m'empêcher d'utiliser mes jetons. C'est-à-dire que si tu perds le combat, ton triomphe sera inutilisé. Ah bah oui, c'est sûr. Et du coup, non, mais attends, mais tu sais qu'en vrai, que tu mettes une balise ou pas, c'est quand même rentable pour toi. Parce que lui, il perd deux, toi, tu gagnes. Lui, il perd deux. Non, mais là, t'as vu, l'autre. Ah, tu gagnes deux, il tire tout le monde vers le bas. Tu mets pas de balise du coup là-bas. Non, ça sert à rien. Bon. Non, j'abandonne cette. Tu abandonnes cet endroit. Ouais. Donc tu mises tout sur l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 6. 6 contre 6. 6 contre 6. Et elle est attaquant. Voilà. Ah ouais, là c'est vraiment du bon bluff là. Il faut. Vous avez juste sous votre moment de réflexion. Non, mais vas-y. À mon tour, non, faut que je compte. Ah, j'en ai pas eu, hein. Tout ça pour qu'ensuite on me jette ma game par la fenêtre. Donc lui il est à 3 et puis il peut plus rien faire puisque tu lui as sucré son jeton. Eh oui. Donc il a perdu. Oui. Toi. Léo, ben, fais la 2, il a perdu. Non, 3. Léo, il a plus le jeton. Non, il a passé. Est-ce que tu vas la prendre? Non, tu vas la prendre. Ouais, mais en gros, max il a 3, il a 3 plus 1, moins. Non, pas moins. Donc 4. Toi d'ailleurs, t'as 4 aussi. Moi je suis à 4 de base, je suis à 5 là. Non, t'as 2, 3. Ah, il y en a un là. Ah, celui-là il descend. Ah oui, mais il va pouvoir construire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, je suis à 5. Toi. 1, 2, 3, 4. 4, potentiellement 5 si tu la laisses. Ouais, mais il pourra pas construire. Non, il peut pas construire. Ça aussi. Ouais, okay. Donc t'as 4 en comptant les deux là. Et toi, j'ai pas compté encore. Moi je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6 si je pense à là. Potentiellement 7. Et puis
8. 7 moins 1. Puis si tu gagnes, ça te fait 1. 7 moins 1, donc enfin 7 par base de tout moins 1. Ouais, 7 moins 1. Ok, on va partir sur 7. 1. Moi je suis à 1, 2 pour l'instant, 3, 4. 4, mais t'as moyen d'aller chercher. Ouais, j'ai moyen d'aller chercher ailleurs. Ici. Pardon, je recompte pour être sûr. Là pour l'instant, t'es à 1, 2, 3. Si encore, si tu les fabriques, faut que tu te les gardes. 1, 2, 3, 4, 6. Oui, potentiellement 5, 6, 7, 8. Si tu gagnes le combat, t'es à 8 moins 1, 7. Et donc, c'est 6 contre 6. Non, celui-là, elle peut pas l'avoir. Non, mais Marc pourrait. Ouais. En fait, je dis maximum, il peut arriver à 6. Mais je sais pas combien. Le problème, c'est que si je mets la blinde, je vais avoir plein de morts exil. Ok. Tu peux jouer ? Oui. 0. 4. Oh là là. Là, j'étais. Oh là là là. Il a gagné le bluff. C'est bon, ça. Donc, t'en prends un. Ça s'en va, ça je le perds, c'était sacrifié. Et là le clan. Et lui, bien là, je me jure. Bah lui, il retourne dans ma réserve de clan. Hop. C'est ensuite. C'est à moi. J'ai besoin d'une victoire un peu amère. Ah là, c'est clair. Hein. Une victoire à la Pyrrhus. Alors, là du coup, c'est open bar quoi. Je peux aller, je fais ce que je veux. C'est pas open bar non plus. Ah si, carrément. Je suis de fou. Hein. Oh, on a gagné pour lui, c'est son cadeau. Bah, là j'ai gagné, je pense. C'est son cadeau à la communauté. Je pense que j'ai gagné. Ouais. Alors, je vais activer celui-là. Hop. Et donc les motos vont se splitter. Il y a une moto qui va faire. Alors c'est adjacent, donc on va prendre le chemin le plus court. Hein. Hop, 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 hop. Hop, ici. Et l'autre, il va faire le tour par l'autre côté. Hop. Tiens. On va détruire ça. Ensuite, c'est à. C'est à Louis-Marie de passer, du coup. Je passe, donc, je passe mon tour, je passe les gars. En Primus, j'imagine. Non, je passe les gars. Oui, les gars. Ouais, je passe les gars. Ah oui, tu peux pas te mettre là. Tu peux pas reprendre le guitar. Hein. Mais si t'es Primus, non, ouais, ça marche pas. Non, c'est au tour suivant. Ah, c'est au tour d'après. C'est à moi de passer. Ouais. Donc. J'imagine que tu vas là. Bah oui. Alors, ton dernier jeton. Tu pourras attaquer qu'une seule zone. Donc je vais le tenter. Parce que Tu pourras faire niveau point, il a niveau point, il a gagné la roue. Ouais, je me doute, mais non, je vais y aller jusqu'au bout. De toute façon, je sais que j'ai perdu déjà un autre point parce que Mort et Exil oblige. Ça, je vois, en tous les cas. Ah, Mort et Exil, t'y es pas, hein. Tu vas pas dépenser 5. En fait, ça dépend si tu. Je suis obligé de. Ouais, mais tu vas pas en dépenser 5. Je vais en dépenser 5. Après, t'as des colonnes qui descendent, pas trop. 3. 3. 3, ah ouais. Quand même. Ouais, quand même. Des petites quarantaines qui vont venir aussi. Tiens, je te l'ai. Je me suis fait piller à la fin. Attends. Ok, donc il va à 2. C'est comme ça, 3-2. Voilà, je suis à 3 et à 2. Il va à 2. Attends, t'es comme ça, je me doute que tu vas venir, mais. Alors, bah, j'active mon dernier mouvement. On va y aller à 2. Déjà, ils vont là. Lui, il va rester là. Et puis. La moto. Je vois pas pourquoi tu le ferais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une autre cible plus intéressante? C'est ça la question. Alors là, je peux pas accoster. Là, je peux pas accoster. Là, c'est pas intéressant. Parce qu'elle a défendu le bas. Ouais. Là, il est quand même à 6. Il y avait jamais un moment où je gagnais, je pense. Ah bon? Non, Marc avait l'avantage depuis le début. Avec ses motos. Je vais attaquer ici. Moi j'ai besoin d'un algo fuel à la fin. Donc on est à 2 contre 2. T'as deux fermes contre 2 à la fin. Non, t'as celle-là, Ah, j'ai pas vu là-bas. T'en as deux. Ouais, mais bon, j'ai de la mort. Ouais, sur les. J'ai 6 crans quand même avant de la mort. C'est ça, je vois sur les 9 que t'as. Bon, ça va, je vais. Je vais l'assurer. Hop, 4, 0. Mais hop. Je reprends un point. Et oui. Point de plus. À ton tour, tu passes, tu te mets, j'imagine, là. Non, on peut pas aller là. Ah oui, on peut pas aller, par contre, ça sera là. Et donc, moi, je me mets là. Bien. Ben voilà. Alors, la baisse, d'abord. Elle commence. Bah, c'est quoi la baisse d'activité? La baisse d'activité, oui. Alors, en premier, c'est. La colonne vide. Hop. Je n'en ai pas, malheureusement. Ensuite, Louis-Marie, là-bas, tu fais une ferme. Oui. Une quarantaine. C'est ma première quarantaine dans la partie, imaginez-vous.
Du coup, c'est à moi. Alors, ouais. J'en prends un. Là, Léo, tu peux me rendre mon défense, deux, s'il te plaît. Dans quoi, ton? Je t'en défense, là, qui est sur le plateau. Devant toi. Et 4. Il y en a plus dans les deux. Est-ce que tu fais une ferme? Alors, ici, 4, donc ici. Déjà, j'ai une quarantaine. Est-ce que tu fais une ferme ici et là? Bah oui, j'ai tout intérêt. Je vais reprendre que deux quarantaines, donc c'est bon. Hop. Ah oui, vas-y, vas-y. Termine bien en quarantaine, mais ouais, il a gagné largement, là, je pense. Ah oui, il a gagné. En deux points, ouais, il a gagné. Moi, déjà, je reprends un mort exil, alors les moins deux points, ouais. Moi, je me suis. À toi. Ouais, à la fin. Donc, là, il n'y en a pas. Là, il y en a plus. Il faudrait que t'as choisi de m'emmener avec toi. Un. Ouais. Un, c'est vrai. Deux, trois. T'en prends trois. Je prends trois, déjà. Et après, il faut que tu construises trois fermes, éventuellement. Donc, je prends deux quarantaines et un mort exil. Ah, j'étais où, pardon. Tu prends, t'envoies lequel en mort exil? Il y avait une là et une là. T'envoies quelle unité en mort exil? Ici, j'imagine. Donc là, t'enlèves la tourelle. Ouais. T'envoies genre lui en mort exil? Ouais, vas-y, bah oui. Je guesse. Oula, les points finalement. Deux quarantaines. Non, parce que t'as fini. Donc y'a plus qu'à compter. Plus qu'à compter. Ah bah là, c'est clair. Alors moi, je. J'ai plus que combien? Deux. Deux. C'est ça? J'ai plus que deux. Deux. J'ai été annihilé. Je suis à 5. D'accord. Eh, pas mal, hein. Quand même, ouais. Ah, tu m'as battu. Mais vous avez écouté avant à ce point-là? Ouais. Léo, là, ah non, j'en ai. Non, j'ai 3, pardon, c'est vrai. À moi, donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, 7. Et moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, moins 2, 5. Et ben voilà. Donc nous avons un vainqueur, c'est la flotte libre. La flotte libre, c'est la meilleure. Par contre, confiné, quoi, la flotte libre. Ah ben, après, il est en. La maladie, quoi, du coup. Un peu. Mais oui, je suis dans l'air du temps. Non, c'est ça. Voilà, voilà. Et ben voilà. Vous avez vu une partie jouée vraiment en conditions réelles. On a vraiment tous essayé de gagner. Bon, alors. Ne suivez pas mon exemple. mais c'est vrai que c'était une belle partie. C'était une belle partie. C'était 3 tours seulement, et on a vu que même en 3 tours, il peut y avoir plein de situations tendues. Et le scénario offensif fait bien que c'est vraiment plus offensif que les autres parties que j'ai pu faire, qui étaient sur des scénarios plus standards. Ouais. Clairement. Alors, c'est vrai que c'est pas évident de choisir tout le temps son bon adversaire. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû attaquer Louis, peut-être que j'aurais dû attaquer Marc plutôt. Voilà, c'est pas évident, mais bon, ça fait partie du jeu, et on peut influencer aussi un petit peu les choix des autres. Exactement. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez une pour les anglophones qui se posent la question, vous pouvez le dire, il y aura une partie aussi en anglais simultanément diffusée, et donc certainement ce sera une toute autre partie. Merci beaucoup, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Au revoir. Salut.